L'océan Atlantique, la France. La mer Méditerranée, le Liban. La France est un pays en Europe. Le Liban est un pays en Asie. La France est un grand pays. Le Liban est un petit pays, mais de surface seulement. En France, on parle en français. Au Liban, on parle en arabe et en français. Bien sûr, puisque nous sommes deux pays francophones. Oui, mais en français, il y a des expressions assez bizarres. Pour cela, nous avons eu l'idée de vous expliquer ces expressions dans notre film. Attention, il faut avoir des antennes pour cela. Mais Hassan, que fais-tu là? Viens jouer avec nous. Non, merci, je ne peux pas. Mais pourquoi? Je poirote, moi. Il poirote? Hassan, c'est notre tour pour jouer au foot. Non, merci, je ne peux pas. Tu vas rater le match. Nous avons besoin de gagner. Mais j'ai déjà dit, moi, je ne peux pas. Je fais le poireau. Il fait le poireau. Il y a Hassan qui poireaute. Et les gars, on joue ou quoi? Que signifie poireauter? Que veut dire faire le poireau? Poireauter et faire le poireau veulent dire attendre. Mais vous attendez quoi? J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Bassam, tu nous racontes ton voyage durant les vacances de Noël? Moi, pendant les vacances de Noël, je voyageais en Australie pour voir ma tante et mes cousins. Ensuite, j'ai pris l'avion pour le Canada et j'ai fait du ski avec mon oncle qui habite là-bas. Mais Bassam, tu racontes des salades en 2 semaines. Tu es parti du Liban à l'Australie et de l'Australie au Canada et du Canada au Liban. Ce sont des salades que tu es en train de raconter. Madame? Oui, Ryan. Mais où sont les salades dans toute cette histoire? Écoute, Ryan, raconter des salades veut dire raconter des histoires inventées et pas vraies. Ah! Adam? Passe au tableau et effectue cette soustraction. 1 au tête de 2, je peux. 1. Bravo. 8 au tête de 7, je peux pas. On apprend une dizaine et je la rends. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9. Oui. 6 au tête de 9, je peux. 6, 7, 8, 9. 3. Bravo, Adam. Correct, c'est trop chaud. Les enfants, comme les carottes sont bien cuites, on fera l'évaluation demain. Mais où sont les carottes? Je ne comprends rien. Je les aime crues, moi, et pas cuites. Serre-toi, Kamal, c'est bon. Mais tu rêves ou quoi? Les carottes cuites veut dire une affaire bien faite. Dans cette situation, c'est la technique opératoire de la soustraction bien comprise. Léa, s'il te plaît, récite le poème « Si » de Pierre Coron. Si les 1000 pattes chaussaient des savates, si les girouettes portaient des lunettes, si les escargots se grattaient le dos, si les écrevisses avaient la jaunisse, si tante Héloïse gardez sa chemise, toi que rien n'est pâte, t'épâterais-tu? Écoute Léa, c'est coussi, coussa. Coussi, coussa. Coussi, coussa.
Coussa. Coussa. Coussa. La maîtresse de français parle en arabe. Comment ça, elle parle en arabe? Mais elle a dit coussa. C'est courgette en français. Écoute, Ralia. Coussa, coussa veut dire comme si, comme ça, à peu près. T'as compris maintenant? Ah, d'accord. Aujourd'hui, on va faire de l'endurance. C'est à vous de choisir le nombre de tours en 6 minutes. Je ferai 3 tours, madame. C'est bien pour une fille. Moi, madame, je ferai 6 tours. 1 tour par minute. C'est bien, Youssef. Je ferai 12 tours. Je ferai 21 tours. C'est beaucoup, Rally. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas parce que tu es un garçon que tu arriveras à faire tes 21 tours. Oh que si, vous verrez. C'est mon 2e tour. C'est mon 7e tour. C'est mon 5e tour. C'est mon 6e tour. C'est mon 3e tour. Madame, madame, Ali est tombé dans les pommes. Où sont les pommes? Mais où sont les pommes? Tomber dans les pommes veut dire avoir le vertige et s'évanouir. Ils se marièrent quelques jours plus tard et vécurent heureux au château dont le jardin était parsemé des roses préférées de Bal. Mais pourquoi tu pleures, Talia? Je suis très sentimentale, moi. C'est plus fort que moi. Cœur d'artichaut! Cœur d'artichaut! Et Talia, tu jettes le bouchon trop loin. Arrange ta sauce et explique à ta sœur que signifie l'expression « un cœur d'artichaut ». Eh bien, avoir un cœur d'artichaut veut dire être sentimental, romantique, avoir un grand cœur. Alors c'est bien. Ça tombe bien. Nous allons éplucher ensemble ces artichauts pour le déjeuner. Oh non! Pour cela, nous avons eu l'idée... Non, j'ai oublié. La France est un pays en Asie. Le Liban, la France est un pays en Asie. Ah non. La France est un grand pays. La France est un pays grand. C'est un grand pays. Ensuite, j'ai pris l'avion pour au Canada pour voir ma tante. Pour le Canada, ensuite. J'ai oublié. Oui, je sais. C'est à vous de choisir. Mais pourquoi tu fleurs? J'espère que vous avez... J'espère que vous avez aimé notre film. Rendez-vous à la prochaine émission. Ciao! Et la licorne!
Bye.